Come on, make some noise for the Lord here. C'est sur cette musique, cette mélodie de You Full Praise que nous ouvrons ce direct de EDP New Docteur de ce lundi. Ladies and gentlemen, vous êtes en direct sur OBM TV, en direct OBM Radio. C'est notre émission habituelle, EDP New Docteur, avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonnier. You Full Praise, make some noise for the Lord. You reign. Il règne notre Dieu. Pasteur Ephrosi Akadjo, notre Dieu règne. Make some noise for the Lord. Pasteur Bryden, notre Dieu règne. Make some noise. Oui, Judith Zari, notre Dieu règne. Make some noise for the Lord. You full praise. You reign. Notre Dieu règne. C'est notre émission de lundi et de mardi. Et depuis le docteur, aujourd'hui c'est lundi, chers téléspectateurs, vous êtes en direct depuis 21h00. Ce groupe merveilleux vous chante, il règne. Et il vous demande de faire du bruit pour notre Dieu. Cindy Ruth, notre Dieu règne, fais du bruit pour lui. Yes. You full praise. Florent Dali, Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse, notre Dieu règne, fais du bruit pour lui. Le groupe You Full Praise, serviteur Olivier Boli, You Full Praise dit que notre Dieu règne, il faut faire du bruit pour lui. Paris Cipeux, You Full Praise dit que notre Dieu règne, il faut faire du bruit pour lui. Shalom, shalom à tous. C'est lundi aujourd'hui, et depuis nous docteur, il est 21h, presque 2 minutes, et vous êtes en direct. Servant Esaïe Jacob, notre Dieu règne, l'éternel des armées, il règne, fais du bruit pour lui. Nati Glory depuis Paris, notre Dieu règne, fais du bruit. You Full Praise nous chante, you reign, il règne notre Dieu. Précieux Elisha, shalom, notre Dieu règne. Faire grâce de Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse, Tiffany Marie Chantal Danzi, que Dieu te bénisse. You Full Praise nous chante, notre Dieu règne. Et il dit, make some noise for the Lord. Vous êtes en direct. C'est l'émission Edifine Docteur de tous les lundis et de tous les mardis. Il est précisément 21h03 GMT et depuis 21h00, nous sommes en direct. Tabernacle de la parole, bless you, sir. Révérend Assis Tangwa, que Dieu vous bénisse. You reign. Bibi Bebest, bonsoir. Tu es en direct sur OBM TV, OBM Radio. Et là, vous êtes sur la page directe Facebook, Bishop Olivier Bonil officiel, retransmis en direct sur notre chaîne de télé. La télé de l'excellence, OBM TV. Servante Jenna, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée sur notre plateforme, édifie-nous docteur. Serviteur Jenna, que Dieu te bénisse. Oluwanagode. Serviteur Camille Géré, que Dieu vous bénisse. Servante Evan Joué, c'est le direct. Nous avons commencé depuis 21h GMT. Et nous prions que le Seigneur, la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous prions que la puissance de Dieu soit déversée sur cette émission. Servante Samuel Kana, tu es béni. Nous réclamons la grâce de Dieu. Nous réclamons la protection divine. Nous réclamons la bénédiction du Tout-Puissant. Koriamo Shatakaya. Yes, Lord. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce abondante que tu accordes dans ce jour à tous les téléspectateurs de OBM TV, à toute personne qui se connaît maintenant. Dès que tu te connais, tu reçois la plus grande bénédiction de ta journée. Shalom, shalom à tous. Vous recevez la bénédiction. Bless you, bless you, bless you. Des milliers de bénédictions sur vos vies.
des torrents de bénédiction se déversent sur vous à travers cette émission. Recevez la bénédiction du Tout-Puissant. Notre Dieu règne. You full ready, you reign. Notre Dieu règne. Oh yes. You reign. Give le roi, bless you. Our Lord reigns. You reign. Il n'y a pas un règne au-dessus de lui. Il est le nom au-dessus de tout nom. L'incomparable, l'admirable conseiller. Jésus-Christ de Nazareth, il règne. Il a été ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Il revient très bientôt pour prendre son église avec lui pour juger le monde, les vivants et les morts. Notre Dieu règne. Chers téléspectateurs, c'est OBM TV en direct. Notre mission est depuis nous, docteur, avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Aujourd'hui, c'est lundi. You reign. Waouh, beau château là-bas. Lili, bravo, Dieu te bénisse. Bon arrivée sur notre plateforme, c'est le direct. C'est notre mission depuis nous, docteur. I lift my voice, I lift my hand to bless you, oh Lord, because you reign. No names above your names. You are the Almighty. I will raise your name up every morning, every day, every night, everywhere I go. You reign. Evangelist Marcel Liliane, que Dieu vous bénisse. Trésorerie Ariel, bless you. Our God reigns. Connectez-vous, nous sommes en direct. Si OBM TV, OBM Radio, c'est le direct sur Facebook maintenant, depuis 21h GMT. He reigns. Wow. 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 Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Give him noise. Yes, Lord. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes les personnes connectées depuis 21h GMT. C'est votre émission, notre émission. Édifie-nous, docteur, depuis 21h GMT, nous sommes connectés et nous parlerons aujourd'hui d'un thème très fort. Est-ce que le divorce est autorisé? Est-ce qu'il est permis à un couple marié de divorcer? Alors, c'est à la demande de tous nos téléspectateurs que nous avons placé ce thème. Il n'était pas au programme. Nous devions parler de contraception et terminer ce que nous avons commencé depuis la dernière fois. Il a aussi, les téléspectateurs ont demandé de parler un peu de l'éducation en famille, à la maison, entre parents et enfants. Comment communiquer? Parce que beaucoup d'enfants souffrent et vous serez surpris. Des enfants nous ont envoyé des milliers de messages pour que nous parlions d'éducation entre parents et enfants. Waouh, waouh, waouh. Vous ne pouvez pas comprendre comment notre émission est suivie et même intéresse les enfants qui nous demandent de parler éducation entre parents, communication entre parents et enfants. Je ne sais pas si aujourd'hui nous pourrons le faire, mais nous avons pris bonne note, nous y penserons. Mais aujourd'hui, il y a eu plus de téléspectateurs qui nous envoyaient des messages inbox pour nous demander de parler de divorce. Est-ce que le divorce est autorisé? Est-ce que le divorce est autorisé? Alors, mesdames et messieurs, nous voulons nous baser sur quelques tests bibliques. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans le livre de la Genèse et il n'est pas, dès les premiers chapitres, chapitre 1, chapitre 2, quand vous lisez, il n'est pas autorisé que l'homme soit seul. Alors, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et alors, le verset dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous voyez, déjà même, il y a des paramètres. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je vais oublier tous les autres passages, je vais les oublier. Mais il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais cependant, le divorce est bien permis, est autorisé. Mais quels sont les points sur lesquels on peut autoriser un divorce? Quels sont les points sur lesquels on peut autoriser un divorce? Alors, je passe sur le plan mariage. D'abord, le mariage commence par l'union entre deux personnes. Et le livre de la Genèse est très clair. L'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Déjà même,
la connotation hébraïque ne permet même pas qu'on dissocie l'homme de la femme, parce que les deux deviendront une seule chair. Vous voyez ? Cependant, il y a le mariage civil et aussi il y a le mariage chrétien. Donc, c'est deux paramètres différents. Le mariage civil, dans les législations, selon la loi, il y a le divorce autorisé selon certains paramètres. Mais en milieu chrétien, déjà, je veux me baser sur le milieu chrétien, et les divorces en milieu civil, on demandera l'intervention d'un juriste, d'un expert dans la matière, il vous donnera tous les paramètres. Mais là, je veux parler du milieu chrétien. Et nous savons même que le thème mariage n'est pas un simple fait chrétien. C'est Dieu qui a institué le mariage. Qu'il soit civil, qu'il soit chrétien, c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, à partir du moment où vous vous unissez à un homme ou à une femme, vous rentrez dans une loi que Dieu a établie. Ça veut dire que toute personne civile ou religieuse ou spirituelle, rien qu'à parler mariage, doit rentrer dans les lois divines. Parce que vous ne décidez pas de vous marier comme ça. Vous vous mariez parce que Dieu a décidé que le mariage soit la fondation, le fondement de la famille, la fondation, le fondement de la société. Donc, l'importance même du mariage est telle que créer un divorce, ce serait créer une entorse au niveau du fonctionnement de la société, au niveau du fonctionnement de la famille. Nous sommes témoins que plusieurs couples divisés ont été un obstacle à l'éducation de certains enfants. Et certains enfants en ont même souffert, beaucoup même ont rétrogradé dans l'éducation sociale. Beaucoup sont tombés dans les braquages, beaucoup sont tombés dans le banditisme, beaucoup sont tombés dans la désolation, parce que le chômage, le manque d'abri, la division au milieu de la famille, des parents, a créé beaucoup de dépression, et nous avons vu les conséquences négatives de ces séparations-là sur la société. Alors, revenons sur le plan divorce. Est-ce que le divorce est autorisé? Je crois que non, dans un premier temps. Car la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais cependant, vous voyez, les évangiles vont plus loin. Ils disent, nous pouvons divorcer. D'abord, la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'on divorce, il dit, à cause de la dureté de nos cœurs, il permet le divorce. Vous voyez, à cause de la dureté de nos cœurs. Sinon, on demande de pardonner. Alors, je vais aller étape après étape. Premièrement, le premier motif, c'est l'infidélité. Alors, c'est quoi l'infidélité? L'infidélité peut être d'ordre relationnel. C'est-à-dire, l'homme ou la femme trompe son partenaire ou sa partenaire avec un autre ou une autre. Ça, c'est un. Mais il faut que les faits soient d'abord avérés. Et même à ce sujet, la Bible dit, si les faits sont avérés, il faut pardonner. Mais, à cause de la dureté du cœur des hommes, il est difficile de permettre que, parce que beaucoup en souffrent, et ce n'est pas facile de regarder ton partenaire en face, sachant qu'elle te trompe ou sachant qu'il te trompe, de le regarder en face et de tout supporter. Ce n'est pas facile. Et je vous ai rendu une fois le témoignage parlant du cœur, le témoignage d'une femme aux États-Unis qui a eu le cancer à cause de l'infidélité de son mari. Elle n'a pas pu pardonner et elle s'est fait un cancer, elle s'est offert une place au cancer. Tellement elle était rongée au fur et à mesure. Et le Seigneur dit, à cause de la dureté de vos cœurs, on permet le divorce. Sinon, le divorce n'est pas autorisé. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais, autorisé ou pas, là n'est pas le problème. Nous parlons d'infidélité. Vous voyez, l'infidélité a plusieurs mesures. Il peut avoir l'infidélité sentimentale. Il peut avoir l'infidélité conjugale. Il peut avoir l'infidélité sociale, il peut avoir cette sorte d'infidélité que nous appelons généralement trahison. C'est-à-dire, quand le partenaire se sent en danger. Alors, nous allons aller étape après étape. C'est quoi cette infidélité? La première infidélité sur laquelle tout le monde se base, la première infidélité que nous connaissons, c'est quand un des partenaires va avec un autre partenaire ou avec une autre partenaire. Ça fait un. Vous avez les preuves en ce moment précis. Si vous voulez pardonner, vous pardonnez. Si vous ne voulez pas pardonner, mais il y a un problème fondamental. Pourquoi la Bible insiste de pardonner? Je vous explique. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si moi, Olivier Boni, je suis marié et que je trompe ma femme avec une autre femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma femme me découvre, enfin, elle me prend en flagrant délit, si ma femme divorce, je suis responsable. Alors, quand elle divorce, on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais qui a été la cause? C'est mon infidélité qui a été la cause. Alors, si ma femme divorce, regardez le mal. Elle, elle a une raison de divorcer, mais et moi? Je suis en marche, en ce moment précis. Elle peut aller refaire sa vie, mais et moi? Je ne peux pas refaire ma vie. Parce que je suis la cause d'un divorce. Donc, vous voyez que, dans tous les cas, le manque de pardon crée un blocage dans la vie de l'autre. Voici le problème. Que va-t-il faire? Parce que quand vous divorcez sans motif, alors vous deux, vous ne pouvez pas vous remarier. Vous ne pouvez pas vous remarier, vous êtes obligé de rester comme ça. Généralement, ce que le mariage civil appelle divorce... comment ils appellent ça? Quand incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire vous vous mariez et puis vous n'arrivez pas à vous entendre. Chaque jour vous vous battez, faites des palabres dans la maison, tous les jours c'est des histoires, chaque jour c'est des histoires, chaque jour c'est des histoires, bon. Et puis vous ne vous entendez pas, finalement vous divorcez. Si vous divorcez à cause de l'incompatibilité d'humeur, la seule chose qui vous restera à faire, c'est de rester sans pouvoir vous marier, vous allez rester comme ça. Si c'est vous qui demandez le divorce, vous privez un, vous privez l'autre. Vous voyez, ça devient compliqué cette histoire. C'est la raison pour laquelle avant d'entamer ce thème sur le mariage, nous avons demandé que les mariés, ceux qui sont prétendants au mariage, ils puissent réfléchir. On a donné les critères de choisir son partenaire, comment reconnaître que c'est votre âme sœur, c'est votre partenaire. Et il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir avant. Parce que si vous entrez, et surtout si vous êtes chrétien, que votre mariage est fait en milieu chrétien, vous ne pouvez rien faire. L'incompatibilité du « on ne s'entend pas, je ne l'aime plus », ce n'est pas une cause de divorce. Si vous ne l'aimez plus, il aurait fallu que vous l'aimiez auparavant, avant de vous marier. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire, c'est déjà trop tard. Il est important aujourd'hui que toutes les personnes prétendant au mariage soient coachées. Ils soient suivis, ils soient bien encadrés, qu'on les informe, qu'on les avertisse, que chacun sache dans quoi il se met, où il met ses pieds. Il est plus facile de se marier, mais il est difficile de divorcer à cause des conséquences. Une personne peut se lever se marier du jour au lendemain, mais on ne peut pas divorcer aussi facilement. Je connais un ami qui est footballeur, qui a divorcé, mais qui a perdu toute sa fortune. Parce que la femme a gagné le procès, elle lui a tout pris. Et il s'est retrouvé à zéro. Quelqu'un qui a joué des années, qui a gardé, qui a fait fortune, un seul divorce l'a ruiné. Vous voyez, il est facile de se marier, mais il est difficile de divorcer parce que les conséquences d'un divorce, les conséquences sont gangréneuses. Il faudrait que chacun de nous réfléchisse. C'est pour cela que toutes les fois que vous aurez envie de vous marier, réfléchissez bien. Alors si en milieu civil, un divorce peut ruiner quelqu'un, imaginez combien grave cela peut hypothéquer le salut d'un partenaire ou d'une partenaire en milieu chrétien. Je voudrais que vous et moi, nous réfléchissons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais voulu aborder le thème sur comment aimer son partenaire si vous savez que vous êtes marié, qu'il n'y a pas eu d'amour. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, tu sois attaché à un partenaire, à une partenaire, soit à un homme, à une femme, vous vous mariez et vous entrez dans le foyer. Et ça devient compliqué. Tu te rends compte que tu ne l'aimes pas ou bien il se rend compte qu'il ne t'aime pas. Alors que faut-il faire? On est déjà marié. Si on divorce, on compromet notre salut. On ne peut plus rien faire. À condition qu'on soit capable de rester célibataire jusqu'à la fin de nos jours. Parce que si nous nous remarions, notre remariage est de l'adultère tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Nous mourons, notre salut est compromis. Alors, je crois que dans les prochains jours, nous allons aborder ce thème-là. Comment créer l'amour? Est-ce que c'est possible de le créer? Est-ce que c'est possible de faire revenir quelque chose qui n'a jamais existé? Nous allons, ça sera fort, mais on a les moyens, il y a des solutions
dont nous parlerons. Mais aujourd'hui, est-ce que le divorce est autorisé? Le divorce n'est pas autorisé pour les cas d'incompatibilité d'humeur ou bien pour les cas de manque d'amour. Parce qu'il aurait fallu le faire avant. Une fois que le mariage est scellé, le mariage chrétien, il est scellé, c'est fini, on ne peut plus divorcer. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il n'y a que Dieu seul qui peut séparer ce qu'il a uni. Et le seul motif, c'est l'infidélité. Et on a vu l'infidélité conjugale, l'infidélité relationnelle. Il y a le fait de tromper son partenaire ou sa partenaire. On vous attrape, preuve à l'appui, et l'autre s'en va. Mais si l'autre s'en va, et l'autre qui a créé le problème, parce que personne ne sépare, et toi qui es à la base du problème, tu es compromis vis-à-vis du Seigneur. Voilà le danger. Si vous attrapez votre femme, si vous attrapez votre mari, et que vous avez les preuves qu'il y a trahison conjugale ou sentimentale, en ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La Bible demande de pardonner. Ce n'est pas facile. Mais si vous ne pardonnez pas, vous pouvez partir. Mais en partant, n'oubliez pas que c'est à cause de quelqu'un que ce mariage est gâté. Or, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors, vous vous êtes parti parce que quelqu'un a créé le problème. Mais celui qui a créé le problème, il devient un problème devant Dieu. Vous avez le droit d'aller vous remarier parce que vous n'êtes pas responsable, vous êtes une victime. Mais est-ce celui qui a créé le problème? Peut-être par faiblesse, peut-être... Parce qu'on peut tromper son partenaire, on peut tromper son mari, on peut tromper sa femme pour une raison ou une autre. Je ne dis pas que c'est permis. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais vous savez, quand nous avons de l'intelligence, quand nous avons de la sagesse, quand nous avons de la réflexion, nous savons que les problèmes de la vie peuvent survenir. On ne sait pas comment ça vient. Souvent, ça arrive. Alors, si ça vous arrive que vous devez partir, souvenez-vous que si vous devez quitter cette femme parce qu'elle vous a trompé, ou bien que vous devez quitter cet homme parce qu'il vous a trompé, souvenez-vous que vous laissez cet homme-là ou cette femme-là dans des problèmes spirituels. Que personne, parce que là, personne, on n'a jamais fait attention à ce paramètre-là. Que personne ne sait pas ce que tu as uni. Tu as trompé ta femme. Elle te prend sur les fers. Elle s'en va. C'est toi qui as créé le problème. Elle s'en va libre parce que elle est une victime. Tu as trompé ton mari. Ton mari t'a pris sur les fers. Il s'en va. Il s'en va libre. Parce qu'il est une victime. Alors, toi, tu es victime. Tu as pensé à toi. Tu es parti. D'accord. Mais et le monsieur que tu as laissé, et la femme que tu as laissée, elle devient responsable d'un problème qu'elle a créé là où Dieu ne veut pas qu'on en crée. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. À cause de toi, ce que Dieu a uni est séparé. Donc toi qui es la victime qui s'en va, s'il te plaît, pense à l'autre que tu laisses sur le carreau. Parce que lui ne pourra plus rien faire sans toi. Tu es une victime, Dieu libère, Dieu te détache, mais et lui, il reste seul. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Vous comprenez pourquoi il est important, avant d'aller célébrer votre mariage devant Dieu, réfléchissez bien. Ne vous levez pas comme ça. Allez comme ça pour dire non. Une fois, oh mon Dieu, une fois, j'ai réglé un problème. Un couple où un homme n'aimait plus la femme. Et le monsieur est en train de tout faire. Il veut que sa femme le voie pour qu'elle soit tentée d'aller avec un homme, pour que lui puisse divorcer. Et finalement, sa femme le voyait aller avec les femmes et elle ne faisait rien. Et puis, un matin, il allait lui dire, mais depuis là, je cherche femme, tu me vois, tu ne divorces pas. Come on. Donc, c'est ce jour-là que nous avons compris qu'il faisait tout ça pour pousser la femme à poser l'acte. Et comme ça, il dira, bon ben, j'ai divorcé, j'ai commis adultère, toi aussi tu allais faire la même chose, donc on se sépare. Ça ne marche pas comme ça. On appelle ça des péchés intentionnels. Or, vous savez que tout ce qui est intentionnel n'est pas pardonnable. Tout ce qui est intentionnel n'est pas pardonnable. Vous commettez votre péché intentionnel, Dieu ne rentrera pas dans ce conciliabule. Ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît, revenons sur les faits. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Autrement dit, qui est la cause de la séparation? Autrement dit,
qui a fait entrer la séparation. Autrement dit, qui a été le problème de la séparation. Autrement dit, qui a envoyé le couteau de la séparation. Cette personne-là devient un problème devant Dieu. Donc, vous qui êtes la victime, c'est entre vos mains que le pardon de la vie de cette personne se trouve. C'est-à-dire, si vous partez, vous livrez cette personne à Satan. Parce qu'elle ne peut, pourra plus, si c'est une femme, si c'est un homme, elle ou il ne pourra plus se remarier. Vous si, mais lui non. Vous le laissez ou bien vous la laissez à la merci d'une malédiction. S'il peut rester comme ça, sans toucher de femme ou sans toucher d'homme, sans aller avec un homme, toute sa vie, il est sauvé. Mais ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas sûr est certain. Les amis, il y a danger. Chers téléspectateurs, il y a danger. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pour toutes ces raisons-là que Dieu a dit aux Israélites, n'allez pas vous lier à mariage avec des étrangers. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Quand un juif s'allie à mariage, par exemple, à une égyptienne, et que les principes d'adoration sont différents. Regardez le cas de Salomon, qui a dû s'incliner devant les dieux de la femme égyptienne et de l'autre syro-phénicienne. Vous voyez? Quelle complication! Quelle difficulté spirituelle! Soit son salut est compromis, ou alors il rentre dans une ligne qu'il ne pourra pas supporter, et finalement il sera tenté de divorcer. Alors que va-t-il se passer? Vous prenez par exemple un chrétien qui a ses lois religieuses, et puis il s'attache à un musulman ou elle s'attache, il s'attache à une musulmane ou elle s'attache à un musulman qui lui aussi a ses principes de religion. Vous deux vous mettez ensemble. Alors demain, le musulman va dire, chez moi, la polygamie est autorisée. Toi, tu es chrétien, tu vas dire, chez moi, la polygamie n'est pas autorisée. Alors, quand il va venir avec la deuxième femme, que vas-tu faire? Tu seras obligé de partir. Or, en partant, tu savais très bien que tu étais chrétienne et puis tu es allé là où il ne fallait pas être. Alors, en te séparant, ce n'est plus lui, mais c'est toi. Vous voyez combien de fois les paramètres du mariage sont compliqués parce que aujourd'hui, je rentre dans ces paramètres-là pour ouvrir nos yeux, pour que chacun commence à comprendre que ce n'est pas une mince affaire. Se marier est chic, c'est intéressant, je dirais même que c'est attrayant, mais ce n'est pas une mince affaire. Le divorce est dangereux, surtout quand les motifs, quand les mobiles ne sont pas divins. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, le premier motif d'infidélité, tu as attrapé ton conjoint, ta conjointe, ou bien ton épouse, ta femme. Il ne s'agit même pas de conjoint, nous parlons de mariage. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais promis de traiter sur pourquoi Dieu n'a pas voulu que les rapports sexuels hors mariage soient autorisés. Bon, on a déjà abordé un thème, on en parlera par la grâce du Seigneur, et ça fait le deuxième que je vous promets. On parlera aussi de ce qu'il n'y a pas d'amour, comment le refaire à l'intérieur, on en parlera. Mais aujourd'hui, nous parlons de divorce. Est-ce que c'est autorisé? Non. Alors, quel est le motif pour lequel Dieu l'autorise? Infidélité. Première partie de l'infidélité, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Première partie de l'infidélité, trahison. Quelle trahison? Au niveau conjugal, sentimental. Je suis allé avec une partenaire, ma femme est allée avec un partenaire. Je l'ai attrapé, elle m'a attrapé. Elle est la victime, je suis la victime. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui attrapes ton partenaire ou ta partenaire, c'est toi la victime. Tu peux décider de partir ou pardonner. Alors, Dieu souhaiterait que tu pardonnes. Parce que si tu décides de partir, tu l'as laissé en face d'un problème divin qui ne pourra pas régler seul. Soit, comme il est la cause, parce que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni, comme il est la cause, il est obligé de rester là jusqu'à ce que la mort arrive. Maintenant, si vous deux, vous divorcez pour incompatibilité du mec, on ne s'entend pas, on ne peut que s'insulter, on ne peut que se battre tous les jours, donc c'est mieux qu'on se sépare. Ce n'est pas une cause. C'est-à-dire, vous deux, vous n'avez pas le droit de vous marier jusqu'à votre mort. Sauf si, pendant le temps de votre célibat, un des partenaires meurt en ce moment précis, l'autre est libéré. Mais si personne ne meurt, vous deux, vous devez rester comme ça
jusqu'à ce que la mort arrive. Dans tous les cas, ce n'est pas probable que vous deux vous mouriez le même jour. Donc, un va mourir. Et si c'est la femme, il a libéré l'homme. Et si c'est l'homme, il a libéré la femme. La mort a libéré la femme. En ce moment précis, elle peut se remarier. Mais quelle évidence! Si l'autre doit mourir à 90 ans, que tu as 90, tu ne veux plus te remarier, ce n'est plus la peine. Il n'y a même plus d'utilité. Alors, regardez le cas où les deux sont mariés que par trahison sentimentale ou conjugale, un se décide de partir. Celui qui a créé le problème de trahison, il ne peut plus se remarier jusqu'à ce que peut-être l'autre partenaire meure. Ce n'est pas probable. Alors, s'il vous plaît, Dieu nous appelle au pardon. Ça veut dire que le pardon est un mot que nous négligeons, mais qui doit avoir une place primordiale dans le foyer. Savoir pardonner. Savoir pardonner. Savoir pardonner. J'insiste, savoir pardonner, pouvoir pardonner, être capable de pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, tu peux partir. La Bible te donne le droit. Mais n'oublie pas que tu fais une victime. C'est-à-dire que tu as fermé les portes, tu as condamné le salut de la personne qui t'a fait du mal. Elle ne pourra pas se remarier. Si c'est la femme, elle ne peut pas se remarier. Elle est obligée, elle est condamnée à rester célibataire toute sa vie parce qu'elle a séparé. À cause d'elle, il y a séparation dans quelque chose que Dieu ne voudrait pas qu'il y ait séparation. Le scandale arrive. Malheur par qui sera bien, déclare les Écritures. Alors la personne qui a envoyé le scandale, qui a créé le divorce, vous l'avez fiché. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut pas se remarier, elle est obligée de rester comme ça. Si vous avez fait un mariage civil, vous vous êtes marié là-bas à la mairie, un mariage civil entre vous, que vous vous convertissez, que un refuse de se convertir, l'apôtre Paul a donné la solution. Vous pouvez décider. Mais à partir du moment où vous êtes marié devant Dieu, les choses deviennent aussi compliquées. Parce que le mariage civil autorise le divorce. Mais le mariage devant Dieu n'autorise pas le divorce. Donc si vous avez fait votre mariage civil, vous avez divorcé, ça, c'est un autre problème. Mais le mariage religieux, le mariage chrétien, je ne dis même pas religieux, je parle de chrétien, selon la Bible, selon les Écritures. Alors, quelle est l'autre deuxième cause d'infidélité? Avant de faire la conclusion, la deuxième cause d'infidélité, c'est quand un des partenaires se retrouve en danger vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, un homme prend une femme, ou alors une femme est mariée à un homme. Qu'est-ce qui se passe? La femme devient un danger pour l'homme. C'est-à-dire, empoisonnement. Un des partenaires se retrouve en danger vis-à-vis de l'autre. Regardez ce qui se passe. Quelle serait la difficulté en ce moment précis? Voici la difficulté, regardez bien. Le jour où vous aurez la preuve que votre vie est en danger, soit par empoisonnement, ou bien le monsieur ou la femme a loué un partenaire pour vous tuer, vous avez la preuve. En ce moment précis, votre vie est plus importante que tout. On vous demande de vous séparer. Ça, c'est quand vous avez la preuve. Mais s'il vous plaît, parce que vous avez envie de divorcer, n'inventez pas de preuve. On en a vu. N'inventez pas de preuve. N'inventez pas de preuve. Ayez les preuves à la main. Le flagrant délit. Elle a mis du poison dans mon repas ou dans ma nourriture ou dans ma boisson. Les preuves s'avèrent justes. Les preuves sont avérées qu'il y a du poison. En ce moment précis, on dit, madame, vous avez mis la vie de votre partenaire, de votre mari ou bien monsieur, vous avez mis la vie de votre femme en danger. On la détache de vous. C'est un divorce justifié. Ou alors, l'autre cause de avoir la vie en danger, c'est le fait que vous êtes avec un partenaire et puis il s'avère que la trahison dont vous êtes victime peut être
un sujet de destruction de votre vie. Je vais vous donner des exemples. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Le mari vient, il se confie à vous et il s'avère que vous êtes un agent secret quelque part, que vous cachez à votre mari. Vous le dénoncez, les gens le tuent. Ou bien vous le dénoncez, les gens veulent le tuer. À partir du moment où il sait que c'est à cause de vous qu'on veut le tuer, en ce moment précis, vous devenez une menace pour sa vie. Ça veut dire que la confiance dans un foyer doit être de rigueur. Il est donc important qu'un couple apprenne à garder la langue en bride. Parce que tu peux donner une information sur ton partenaire qui peut faire que quelqu'un peut avoir accès pour détruire ton partenaire. Si c'est pas toi que la vie de l'autre en danger, soit par quelque chose que tu as pu dire, ou bien par quelque chose que tu as pu faire, que la vie de l'autre en danger. Regardez même l'infidélité sentimentale, l'infidélité du lit conjugal. Je vous donne un exemple. Une femme a eu un souci comme ça avec un homme qui voulait d'elle. Le monsieur, il a poursuivi, elle ne veut pas. Il a poursuivi, elle ne veut pas. Et le monsieur s'est rendu compte que c'est parce qu'elle est mariée à un homme. Et le monsieur a voulu tuer l'homme pour que la femme soit seule. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu dit, si un des partenaires est trahi, vous pouvez pardonner comme vous pouvez ne pas pardonner. Mais si vous pouvez pardonner, voyez, là où votre vie n'est pas en danger et que vous voyez que c'est une simple erreur en ce moment précis, mais si vous voyez que votre vie est en danger, en ce moment précis, vous pouvez partir. Donc, l'autre côté de l'infidélité, c'est là où la vie d'un des partenaires est en danger. Quel que soit le motif du danger. Vous mettez la vie de votre partenaire en danger, quelle que soit la situation, il peut partir, elle peut partir. Et vous avez créé le danger, vous êtes responsable. Le seul problème, c'est être responsable. L'autre cause d'infidélité, c'est-à-dire vous êtes un homme, vous êtes impuissant sexuellement. Vous ne dites pas à la femme que vous êtes impuissant sexuellement. Et vous lui faites croire que vous fonctionnez normalement comme un homme. Vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, une fois qu'on arrive dans la nuit de noces, on se rend compte que vous n'êtes pas un homme, vous ne fonctionnez pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez menti, vous avez trahi. C'est une cause de trahison. On peut demander à la femme de se séparer de vous, mais si elle le veut, parce qu'elle peut ne pas être dérangée, ça peut ne pas la déranger en ce moment précis, elle reste là. Mais si elle découvre que vous êtes impuissant, que vous avez menti, vous, l'homme, parce que vous l'aimez, mais vous savez que vous ne pouvez rien faire avec elle, et que vous avez pris, vous vous êtes engagé de façon dangereuse d'aller avec elle, de vous lier avec elle en mariage, en ce moment précis, elle peut se séparer. Mais vous n'aurez plus le droit de vous remarier. Parce que vous avez créé un problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu la crainte de Dieu d'aller entrer dans un secteur, d'aller sans retour. Quand on met le pied dans le mariage, c'est sans retour, c'est un aller sans retour. Vous ne pouvez pas le faire et vous n'avez pas eu peur que vous mettez la vie d'autrui en danger. L'autre côté, par exemple, d'infidélité, c'est que vous êtes un homme, vous êtes déclaré stérile, ou bien vous êtes une femme, vous êtes déclaré stérile. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Et puis vous partez vous attacher à quelqu'un qui lui peut faire d'enfant sans l'avertir préalablement. Si la personne découvre que vous l'étiez, que vous le saviez, que vous avez fait exprès, elle peut se retirer. Donc vous voyez que les causes d'infidélité bibliquement sont d'ordre divers. Il y a l'infidélité dans le lit conjugal, c'est-à-dire quand un des partenaires va avec un autre ou une autre partenaire. Il y a l'infidélité, la trahison, cette trahison qui met la vie d'un en danger. Et il y a aussi cette infidélité, c'est-à-dire cette trahison qui consiste à mentir à un des partenaires. Vous avez menti que vous pouvez faire des enfants alors que vous saviez que vous ne pouvez pas.
Vous avez menti que vous êtes un homme alors que vous savez que vous êtes impuissant sexuellement. Vous aussi, vous êtes une femme. Vous savez qu'à la suite d'une opération que vous avez subie, par exemple, un homme ne peut plus aller avec vous par voie vaginale. Vous saviez ça. Et puis vous avez pris le risque de lui dire oui. Vous avez pris le risque d'aller avec lui jusqu'à aller vous faire, qu'on vous bénisse à l'église, qu'on célèbre le mariage à l'église. Et si cet homme-là découvre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en ce moment précis, c'est s'il le souhaite. S'il le souhaite. S'il le souhaite. Vous comprenez? S'il le souhaite. Alors, mesdames et messieurs, voici les différents causes d'infidélité. Aujourd'hui, je ne pourrai pas traiter toutes les causes d'infidélité. Il y en a plusieurs. Alors, demain, n'oubliez pas que demain, nous serons encore ensemble. Mais demain, ça sera à 17h. À 17h GMT, 19h heure d'Europe, 13h heure des États-Unis et 18h heure de Londres. Donc 19h GMT. Alors, voilà les trois causes d'infidélité. J'ai quelques questions de certains téléspectateurs. Veuillez me permettre de répondre à toutes ces questions-là. Alors, la première question, pourquoi est-ce que le partenaire qu'on a trompé peut refaire sa vie tandis que l'autre qui est à l'origine de l'infidélité ne peut pas le faire? Je crois que j'ai répondu parce que j'ai dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. À partir du moment où tu es responsable, c'est toi qui es le problème. L'autre est la victime. D'accord? Si la personne qui a posé la question est satisfaite, elle peut nous le faire savoir. Notre assistant nous renverra sa réponse. Parce que pendant l'exposé, j'ai expliqué le contexte. Alors, deuxième question. La Bible dit de ne pas se séparer, de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui se sont mariés sans que Dieu ne les ait unis? C'est-à-dire, le choix ne vient pas de Dieu. Waouh! Belle question. Alors, amis téléspectateurs, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire un mariage et dire que Dieu ne vous a pas unis. Ça, ce n'est pas faisable. À partir du moment où on vous a béni, qu'on vous a déclaré à l'église, devant Dieu, devant les hommes, unis par les liens du mariage, c'est fini. Dieu est d'accord. Je vais vous expliquer bibliquement. Vous savez, à l'église où vous allez, c'est une autorité qui vous déclare unis. Cette autorité de Dieu, c'est-à-dire le pasteur ou l'aumônier, a des pouvoirs, des droits que Dieu lui donne de pouvoir déclarer un couple uni dans les liens du mariage. Ça, c'est son droit. Dieu même a dit, ce que vous allez ouvrir sur terre, je l'ouvrirai au ciel. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu déclares sur terre, je le déclare au ciel. Si nous bénissons, Dieu va bénir. Si vous-même, vous avez accepté de vous déplacer jusqu'à aller devant une autorité pour qu'on vous bénisse et que vous avez envie d'être unis, alors que personne ne sait pas des gens qui ont envie de s'unir. On ne vous empêchera pas de vous unir. On vous accompagnera pour vous unir. On vous encouragera pour vous unir parce qu'il est bon qu'on soit unis. Dieu veut qu'on soit unis avant qu'il y ait les rapports sexuels. Donc on vous encourage. À partir du moment où Dieu veut qu'on soit unis, même l'apôtre Paul a dit, n'empêchez pas les gens de se marier pour ne pas qu'ils tombent dans le péché d'impudicité. Donc toute personne qui veut se marier, on ne t'en empêchera pas. On t'encouragera, on t'accompagnera, on t'aidera. Maintenant, la question, à partir du moment où l'autorité a déclaré que vous êtes béni, Dieu valide. Mais si avant que l'autorité le déclare, vous désistez, alors Dieu ne valide pas. Tant que l'autorité n'a rien déclaré, rien n'est validé. Mais si l'autorité a dit, vous êtes déclaré unis, vous êtes béni, et puis il va ajouter, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est terminé. La parole de Dieu a scellé cette union, c'est fini. C'est la raison pour laquelle on demande à toutes les personnes qui veulent se marier qu'on vous suive. Il faut des gens expérimentés pour vous coacher. Je dis par là, de passage, je vais dire à nos téléspectateurs, vous qui voulez vous marier, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment une expérience dans le mariage.
J'ai connu beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expériences. Ça ne me gênerait pas de te coacher, de te donner des conseils. Parce que si je te coach, tu ferais un bon mariage, un meilleur mariage. Parce que je te dirai tout dans les détails de A à Z. Comment choisir ton partenaire, comment faire jusqu'à ce que tu arrives, comment prendre ta femme ou ton mari, comment faire pour que vous ayez un mariage heureux, un mariage. En tout cas, tout ce que j'enseignais, j'aurai le temps de te coacher. Donc si tu veux, je suis coach. Tu veux te marier, il faut me contacter. Je vais t'aider, je vais te donner des conseils, je vais te suivre. C'est une grâce que Dieu m'a faite d'avoir de l'expérience et de la connaissance dans ce domaine-là. Et je serai prêt à aider toutes les personnes qui veulent se faire coacher. Vous comprenez? Quand vous avez de l'expérience dans le foyer, quand vous avez traversé le vent et la tempête dans le foyer, quand vous avez traversé des difficultés dans le foyer, vous savez comment aider les personnes à résoudre les problèmes de foyer. Vous comprenez? Donc, généralement aussi, Dieu permet que quelqu'un traverse le vent et la tempête pour que cette personne-là soit un modèle, un exemple, une bénédiction pour toutes les personnes. Vous comprenez? J'ai traversé beaucoup de vents, de marées, de tempêtes dans le foyer. Je sais quelque chose. Je saurai comment vous aider à choisir votre partenaire. Je saurai comment vous apprendre à aimer votre partenaire. Je saurai comment vous apprendre à aimer votre femme ou bien à aimer votre mari. En tout cas, j'ai des recettes qui marchent à 300%. Donc, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix qui ne viennent pas de Dieu. Dieu ne va pas choisir ton partenaire à ta place. D'accord? Quand Dieu a déposé Ève, il a déposé les moutons, les cabris, les bœufs. Et Adam a dit, je ne me sens pas concerné. Quand il a déposé Ève, Adam a dit, je me sens concerné. Si Adam avait dit, je ne me sens pas concerné, Dieu allait changer. Il allait en proposer une autre jusqu'à ce que Adam se sente concerné. Donc, à partir du moment où vous vous sentez concerné par un partenaire ou une partenaire que vous vous prenez, que vous allez devant Dieu, une fois que c'est béni, c'est validé parce que c'est vous qui faites le choix. Dieu propose, mais vous n'êtes pas obligé de... C'est vous qui sentez la chose. Parce que n'oubliez pas, s'il vous plaît, le foyer est d'abord et avant tout une affaire personnelle et privée. C'est vous seul qui agissez dans le lit. Ce que vous allez ressentir, c'est dans le lit, c'est vous seul. Les gens qui vont vous dire, prends celui-là, ils ne seront pas dans le lit, et vous. Ça, je vous dis, en français, terre à terre, ils ne seront pas dans le lit, et vous. C'est vous qui allez apprécier, c'est vous qui allez aimer, c'est vous qui allez, c'est pas quelqu'un. Donc, c'est vous qui choisissez, c'est un choix privé, individuel et personnel. Personne ne vous dira, prends celui-là, il est bien. Non, on te propose, on dit, ah, mon fils ou ma fille ou mon frère, ma soeur, si tu prends cette personne-là, ah, elle est bien. Et puis toi, tu l'analyses. Ah, il est bien, toi, tu l'analyses. Si tu penses que c'est à ta convenance, tu prends. Si ça ne te convient pas, tu dis, oui, j'ai regardé, mais ça ne me convient pas. Tu laisses. Les mariages par révélation, moi, je n'aime pas. Je déteste parce que ça, on a toujours induit des gens en erreur. Dieu a voulu que. Non, on ne veut pas de mariage par révélation. Dieu a proposé à Adam. Il n'a pas imposé Ève à Adam. Il a proposé. Et puis c'est Adam qui a réagi. Il a approuvé. Et Dieu a fait. Donc, il n'y a pas de non, on ne vous impose pas, on vous propose. Et surtout, faites attention. Ceux qui vous connaissent, qui vous branchent, ils prennent celui-là, on dit marie celui-là. Et puis on vous donne des raisons. Non, il a l'argent. Ou bien non, elle a l'argent. Ou bien non. Attendez. On vous propose, d'accord, mais réfléchissez. Parce que demain, quand ça va chauffer dans votre foyer, c'est vous qui serez condamné à ne pas vous marier, mais les autres, eux, ils sont bien. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est plus. Ou bien vous ne l'aimez plus, ce n'est plus un motif de divorce. Donc faites attention. Les conséquences se payent individuellement et non en communauté. Les personnes qui vous conseillent, quand ça va chauffer dans votre foyer, ce n'est pas eux qui paieront les conséquences devant Dieu. Quand vous allez vouloir divorcer, ce n'est pas eux qui resteront célibataires, mais c'est bien vous. Faites attention, aimez, soyez sûr que vous aimez ce que vous avez envie de prendre avant de vous engager, parce que le foyer n'est pas une onction facile à gérer. C'est un autre monde. Le foyer, ce n'est pas le lieu où on parle en langue, c'est un lieu sentimental, c'est un lieu de réaction. Et je dirais tantôt, le foyer, c'est l'endroit où Dieu permet à l'homme d'être pervers. C'est le seul endroit où Dieu permet à l'homme d'être pervers.
Si tu veux jouer les spirituels, il faut attendre. Quand vous êtes en dehors de la chambre, dans vos prières, dans vos jeûnes de prière, mais dans le lit conjugal, on est pervers. Et Dieu sait que dans le lit conjugal, on est pervers. Donc, ce n'est pas là-bas, on devient spirituel. C'est des choses que vous devez apprendre avant d'aller dans votre foyer, pour que les risques de divorce soient prévenus. Alors, permettez-moi de passer à une autre question. Je crois avoir mis assez de temps sur cette question-là. Il nous reste 10 minutes pour arriver à 22 heures. Nous avons une heure de temps d'antenne. Alors, j'espère régler tout cela en 10 minutes par la grâce du Seigneur. Un chrétien, une chrétienne peut-elle épouser une personne d'une autre religion? Oui, je crois que dans l'exposé, j'en ai parlé. À cause des dangers de divorce qui nous guettent. Parce que quand tu prends quelqu'un qui a d'une autre religion, il va commencer à faire entrer des choses que tu ne supportes pas. À un moment donné, tu vas craquer. Tu seras obligé de partir. Et comme le motif de ton départ n'est pas acceptable, alors tu t'es mis dans des problèmes. Donc ça, fais attention. Ce n'est pas bon, il faut bien réfléchir, il faut être sûr que tu peux supporter avant de t'engager parce que tu mettras ton pied dans un plat qu'on ne peut plus sortir. C'est comme, le mariage, c'est comme un poison. Une fois que tu l'as avalé, il va détruire tes intestins. Donc il faut faire attention. Alors, la Bible dit « Toute autorité est établie par Dieu ». Pourquoi est-ce que le divorce est permis uniquement dans le cadre du mariage civil? Bon, écoutez, vous savez, le mariage civil, on dit d'abord « civil ». Donc, toute autorité établie par Dieu, mais on dit d'abord civil. Une nation, un pays, est régi par des lois créées par des hommes à l'Assemblée nationale. Or, la Bible, c'est les lois divines créées par Dieu. Donc, déjà, nous sommes sur deux balances qui n'ont pas le même poids. Le mariage civil, c'est les hommes. Les lois qui régissent ce mariage-là, qui soutiennent ce mariage, c'est les hommes. Le mariage religieux. Et à partir du moment où les hommes eux-mêmes, ils ont donné les lois, Dieu suit. Maintenant, si vous quittez dans ces lois-là, que vous venez chez Dieu, ça veut dire que vous avez dépassé les lois civiles, vous êtes maintenant soumis aux lois divines. C'est la raison pour laquelle je veux encourager quelqu'un, avant de venir te marier à l'église, il faut bien réfléchir. Parce que les lois sont différentes. Les lois civiles et les lois religieuses sont différentes. Les lois chrétiennes, les lois bibliques. Parce que quand on dit religieux, il y a une nuance. Il y a plusieurs sortes de religions, mais les lois bibliques. Alors, je passe à une autre question. Dans le cas de l'impuissance sexuelle de l'homme ou de la femme stérile qui cache son état, est-ce que l'autre partenaire peut se remarier s'il quitte le foyer? Oui. Si moi, Olivier Bonny, je vais avec une femme et puis je lui dis je voudrais bien aller avec toi alors que je suis impuissant sexuellement et je ne le dis pas, vous comprenez? Et puis elle découvre dans le foyer que je suis impuissant sexuellement, elle se retire. C'est moi le responsable. Donc moi, je ne pourrais plus me remarier. Dans tous les cas, même, je ne dois pas me remarier parce que je suis impuissant sexuellement. Donc, je me fais quoi une femme? Je vais dans un mariage pour faire quoi? C'est pour créer des ennuis à la fille de quelqu'un ou bien à l'enfant de quelqu'un. Donc, à partir du moment où tu es impuissant sexuellement, il faut régler ton problème avant de parler de te marier à une femme. Et vice-versa. Tu es une femme, tu sais que tu es stérile, tu es déclaré stérile. Il faut informer l'homme que voilà, je suis stérile. Il va dire, bon, ok, tu es stérile, mais moi ça ne me dérange pas. Je veux te prendre parce que je t'aime. Vous savez, l'amour est plus fort que tout. Quand vous aimez et que c'est vrai là, que c'est vrai, vrai là, vous devenez bête. Permettez-moi de parler terre à terre. Quand l'amour est vrai là, vous devenez bête. C'est-à-dire, il y a des décisions que vous prenez. Celui qui vous écoute va vous dire, mais lui là, il est fou, celle-là, elle est folle. Mais il n'est pas fou, elle n'est pas folle. Ça s'appelle l'amour. Ça ne calcule pas, ça ne réfléchit pas. On aime. Je ne t'aime pas parce que tu fais des enfants. Je t'aime parce que tu es toi. C'est tout. Je ne t'aime pas parce que tu as telle capacité d'avoir de l'argent ou bien tu es bien sur ça. Je t'aime parce que c'est toi. Point. Et dans nos émissions précédentes, nous avons longuement parlé d'amour. On a parlé d'amour, on a parlé de l'amour. Vous pouvez consulter nos émissions précédentes. Vous allez voir ce qu'on a dit sur l'amour et vous comprendrez vous-même qu'on peut accepter d'épouser une femme qui ne fait pas d'enfant parce qu'on l'aime.
Donc, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimé que lui s'est privé de son fils. Donc, si tu aimes la femme là, tu peux te priver d'enfant. Tu sais, quand tu te maries à la femme là, tu as sacrifié tous tes enfants. Dieu n'en aura pas. Dieu aussi a sacrifié pour lui, pour que nous soyons. Donc, l'amour peut sacrifier. Tu peux te marier à une femme, tu sais qu'elle ne fera pas d'enfant, tu sais que vous n'en aurez pas. Mais alors, tu te sacrifies. C'est l'amour. Et au nom de l'amour, c'est acceptable. Alors, si le mensonge est une des raisons de divorce, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui se font passer pour des chrétiens et qui montrent leur vrai visage après le mariage? Ah, très, très belle question. C'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez, on a mis du temps à débattre sur comment choisir son partenaire. Et on a même sorti des critères. On est parti du critère numéro 1 jusqu'au critère numéro 7. Allez-y sur OBM TV, la page OBM TV ou la page Bishop Olivier Bonil officiel. Vous allez voir les messages passés sur le mariage. Parce que une fois que vous y entrez, s'il vous montre son vrai visage, vous ne pouvez plus rien. Malheureusement. Dommage. Il fallait provoquer ce que tu devais provoquer pour découvrir ce visage. C'est la raison pour laquelle on vous donne du temps de prier, de vous étudier. Et ce temps de prière, c'est le temps des chocs. Souvent on se choque, souvent on provoque des réactions pour voir. Quelqu'un peut venir comme un agneau. Et puis malheureusement, il n'est pas agneau. Il n'est pas un agneau. Ou bien elle aussi, elle peut venir comme une douce fée. Alors que c'est une tigresse qui se cache dans cette couverture, dans ce linceul blanc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas Dieu pour savoir. C'est pour ça qu'on prie. Donc, une des prières, c'est que le Seigneur dévoile pour que je sache qui est cette femme, ou bien dévoile pour que je sache qui est cet homme. Vous allez prier comme ça jusqu'à ce que Dieu fasse sortir tout. Voilà pourquoi on donne des temps de prière. Au moins, tu es sûr que tu ne te trompes pas. Ce que l'homme n'a pas su, Dieu sait. Et ce que l'homme cache, il n'y a que Dieu seul pour dévoiler et faire sortir. Donc, si vous êtes sérieux en prière, que vous portiez... Or, généralement, ce que nous constatons, une fois qu'on dit à une femme, je t'aime, c'est fini, elle devient bête. C'est terminé. Une fois qu'une femme dit à un homme, je t'aime, il devient bête. C'est fini, c'est terminé. On peut te dire, je t'aime sur les lèvres. Mais est-ce qu'on t'a dit avec le cœur? Tu ne sais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu es un homme, tu es une femme, mets-toi dans ta tête que le je t'aime de la bouche ne veut rien dire. Ça, l'on peut dire, c'est un animal. J'entends des gens dire à leur chien, je t'aime. Le chien aussi la boit. Wow, pour dire, ouais, je t'aime, moi aussi, parce que tu me donnes toujours des os à croquer. Mais alors, où est la vérité? Est-ce que parce qu'un homme ou bien une femme a dit de sa bouche, je t'aime, ça veut dire que c'est vrai? On a vu dans notre émission, nos émissions précédentes, que l'amour, c'est les actes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la dernière fois, je vous parlais de la connotation hébraïque du mot aimer qui est dérivé de donner. Il n'y a jamais d'amour sans qu'il y ait le rapport, le lien de donation, de don, de donner. Si ça n'existe pas, on ne peut pas parler d'amour. Donc, la fondation, le fondement d'amour, c'est donner. À travers les actes, la personne peut sacrifier sa vie pour vous. Vous voyez les efforts que la personne peut fournir. Même tout perdre pour vous. Ça, on appelle ça amour. Vous comprenez? Mais quand vous êtes avec une personne que vous n'avez pas vu ça, vous vous précipitez parce que tout simplement, vous avez envie de vous marier. Tous vos camarades sont mariés. Vous n'êtes pas mariés. Donc, vous êtes excité comme ça parce que vous avez entendu quelqu'un qui veut vous marier. Réfléchissez bien. Ce n'est pas tout le monde qu'on marie. Ce n'est pas toutes les femmes aussi qu'on marie. Donc, réfléchissez bien. S'il vous plaît, réfléchissez bien à toutes les propositions qu'on vous fait avant de vous jeter parce que le mariage, c'est un lac où il y a beaucoup de caïmans. Retenez ça, c'est une pensée. Vous mettez en bas, docteur Olivier Bonny, le mariage est un lac où dorment beaucoup de caïmans. Ne les réveillez pas. Passez en douceur, ça vous fera du bien. Alors, il est déjà 21h dans quelques secondes. Je vais répondre à une dernière question et nous allons arrêter là pour demain. Alors, que dire des mariages forcés sans le consentement
de l'un des partenaires. Waouh. Alors, si j'attaque cela, je ne pourrai pas. Je voudrais aujourd'hui, à la fin de notre émission, prier pour des personnes qui sont dans le besoin, s'il vous plaît. Nous allons prier un peu aujourd'hui. Nous voulons prier. Il y a des personnes qui sont en difficulté. Moi aussi, qui vous parle, j'ai mon expérience dans le mariage. J'ai aussi connu des difficultés. Je n'en ai pas honte. Je n'ai pas honte d'en parler parce que c'est la vérité. Quand tu as connu des difficultés, quand tu as souffert de quelque chose, quand tu t'es battu, parce que simplement tu n'avais pas la formation, tu n'avais pas d'expérience, tu as connu toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui, tu es capable d'aider les gens. Et je suis mieux placé pour comprendre que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en difficulté. Moi seul sais les messages que je reçois dans ma boîte inbox des personnes qui parlent des problèmes de couple. Alors, nous avons besoin de prier, de soutenir ces personnes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as traversé un problème que les autres sont nuls. On ne sait pas où on va. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est quelqu'un. Demain, ça peut être toi encore. Il faut aider les gens. Alors, vous et moi, vous qui êtes en direct de OBM TV, OBM Radio, sur Facebook maintenant, joignons-nous les mains, joignons-nous les cœurs et prions pour les personnes en difficulté. Au moment où je vous parle, d'autres personnes sont en train de divorcer, il y a des enfants qui sont en train de souffrir. Au moment où je vous parle, d'autres personnes, des couples sont en train de se battre, se bagarrer. Il y a des couples qui se sont battus avec des couteaux, des poignards, ils ont cassé tout dans la maison, se sont égorgés, se sont entretués. Ce n'est pas facile. Au moment où je vous parle, il y a des couples qui ne se parlent pas. Au moment où je vous parle, il y a quelqu'un qui est en train de rompre ses fiançailles. Ou bien il y a quelqu'un qui veut divorcer, le motif n'est pas valable, mais la personne ne peut pas comprendre que ça compromet son salut. Seigneur, je te prie, ô Père, notre Dieu, j'élève la voix avec toi. Tu as dit ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Toutes les personnes en difficulté, je prie que tu leur viennes en aide, Saint-Esprit. Je lève les mains vers toi, ô Seigneur, pour que tu jettes un regard de compassion. Que ta grâce se déverse dans tous les couples qui pleurent sur le point de la séparation. Ceux qui sont séparés, tu peux encore les ramener et les remettre ensemble, Seigneur. Oui, notre Père, notre Dieu. Demain, nous allons poursuivre encore cette émission. Mais je prie que ta grâce abonde sur la vie de toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous suivent maintenant et qui prient avec nous d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Je prie que ta bénédiction, je prie que ta faveur, je prie que ta consolation descende. Que toutes les personnes qui ont perdu la raison ou pour une quelconque raison, qui ne veut plus rien entendre, qui ne veut plus rien comprendre, Seigneur, que ta présence les touche maintenant et que quelque chose qui est cette lueur d'espoir que tu accordes à toutes les familles désespérées, Seigneur, notre Dieu, illumine leur vie maintenant, ô Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous prions que ta grâce et ta faveur inondent les cœurs. Seigneur, le mariage, c'est le cœur. Le mariage, c'est la pensée. Le mariage, c'est l'esprit. Donne-leur un cœur. Donne-leur une pensée. Donne-leur un esprit. Pour que toutes les personnes en difficulté puissent se retrouver. Ô Père, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Daigne accorder ta grâce. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Toi qui me regardes et qui m'écoutes. Que le nom du Tout-Puissant te soutienne. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit cette force, cette puissance qui descend sur toi maintenant. Cette gloire qui descend sur toi maintenant et qui inonde ton cœur de vie et d'amour. Seigneur, les couples où il n'y a pas de soumission, les couples où il n'y a pas de communication, les couples où les regards sont encore dans les rétroviseurs, Seigneur, je prie que tu manifestes une grâce spéciale pour que nos téléspectateurs, nos éditeurs, Seigneur, notre Dieu, soient bénis ce soir, soient remplis. Seigneur, que après cette émission, il y ait des réconciliations qui se fassent seules à cause de ta puissance, à cause de ta présence, ô Saint-Esprit. Touche le cœur de quelqu'un, crée la soumission, crée l'amour et permet l'unité, la réconciliation. Seigneur, j'ai prié et je t'en remercie au nom de Jésus. Et je prie que cette prière soit un impact pour un couple désespéré, pour une relation désespérée, afin qu'il y ait la vie et que cela te donne gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alors, mesdames et messieurs,
Nous avons fini une heure de temps d'antenne. Il est précisément 22h04 GMT. Alors, je vous présente les livres de votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, La parole de Dieu à votre portée. Alors, l'autre livre, le décryptage du psaume 23, et l'autre livre, Les clés, la grandeur. Ce sont trois livres que votre serviteur a écrits. Alors, je voudrais vous les proposer. Si quelqu'un veut se procurer ces livres, en Europe, au niveau de la France, vous avez 00 33 6 22 31 89 25. 00 33 6 22 31 89 25. Au niveau de Londres, 00 44 79 61 04 86 52. 00 44 79 61 04 86 52. Au niveau des États-Unis, 001 347 605 58 35. 001 347 605 58 35. Et au niveau de l'Afrique, 00 225 08 96 22 74. 00 225 08 96 22 74. Ces livres ont aidé des pasteurs, ont aidé des leaders, ont aidé des chrétiens dans leur vie de prière, dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Ceux qui cherchaient une grâce, l'onction, cherchaient des percées, le décryptage du psaume 23, les clés de la grandeur et la parole de Dieu à notre portée sont des livres qui vont révolutionner votre vie chrétienne. Je vous prie de vous les procurer à travers tous ces contacts que nous avons donnés. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Édifie-nous, docteur, pour ce soir, pour ce lundi, c'est terminé. Nous avons été en contact depuis 21h GMT et là maintenant il est 22h06 GMT. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à partir de 17h GMT. Shalom, shalom, shalom. Paix à vous.